En 1990, le Conseil général de la Réunion procède à l'acquisition du foncier où sont implantées les ruines de l'usine à sucre. Dès lors, le musée historique contacte une association de sauvegarde du patrimoine, l'association CHAM, Chantier, Histoire et Architecture médiévale, pour engager et programmer une opération globale de valorisation de cet ensemble patrimonial, témoignage de l'architecture industrielle encore présente sur l'île mais en voie de disparition. Une campagne de travaux est mise en place dans une démarche de conservation du site en prenant en compte le traitement du bâti dans son intégralité et le respect de son authenticité, privilégiant avant tout le réemploi des matériaux existants. Prenant aussi en compte une dimension sociale, le chantier s'inscrit également dans une démarche de formation et d'insertion professionnelle destinée à un public de proximité, de jeunes adultes ou des personnes en situation de chômage de longue durée. Il n'exclut pas toutefois le bénévolat, associant parfois ponctuellement le milieu scolaire ou les centres de loisirs. Au cours du chantier qui se déroule sur 4 années, de 1991 à 1994, des interventions sont entreprises, conformes aux méthodes applicables aux monuments historiques. Le nettoyage et le déblaiement du site permettent une meilleure lisibilité des différents bâtiments de l'usine et l'identification de zones distinctes de production. Les travaux de maçonnerie sont engagés, moellonnage, taille de pierre, enduit pour assurer la consolidation et la stabilisation des ruines.